bonjour tout le monde, c'est Rix Project et on se retrouve pour la suite de Transport Fever 2, toujours sur la petite map suisse, et aujourd'hui ça va être gros, très gros chantier, donc j'espère pouvoir faire le rendu sans devoir couper au montage des sections, hein, pour diminuer le temps, sinon il y aura des coupures. Bref, là, niveau financier, on est plutôt bien, mais je ne peux pas faire encore de folie. Il me faut absolument une ligne complexe. Il me faut une ligne de fret complexe. Et pour ça, il y en a une toute trouvée, parce que plus je vais aller loin, plus je vais me faire de thunes, même si plus ça va me coûter, hein, je suis d'accord. Mais bon, on prend des risques. On va prendre le charbon ici et le fer. On va prendre celui-là et celui-là. Celui-là, ça va être compliqué, je pense, donc je sais pas, ou peut-être celui-là. J'ai regardé, c'est par rapport au terrain, là. Les deux sont à la même altitude, à peu près. Le truc, c'est que celui-ci, je peux peut-être... Ah non, il y en a un là, j'ai rien dit. Ce fer-là, je pourrais l'utiliser. On va utiliser ce fer-là et ce fer-là. Ils vont aller sur des voies communes parce que ça va être du très gros transport. Je vais mettre des grosses locaux pour ça. Ça va me coûter la peau des fesses. Et on va devoir réussir à les linker. On va faire des machines. Point positif. On a une usine de machines ici. Je veux livrer au bout. C'est-à-dire ici à Viège. Ou à Brigue, Viège ou Brigue, un des deux. Je pense que livrer à Brigue, ce serait plus intéressant, parce que alors les gens descendent à Viège, et puis prennent un bus ou un tram plutôt jusque Brigue. Donc livrer à Brigue. Et comme ça me permet d'un peu... ça me permet d'éviter d'avoir des bouchons au niveau de certains types de trains, je pense. Donc une machine à Brigue. L'acier se trouve ici. Donc j'ai tout ce côté-ci à utiliser. Il y a déjà une grosse portion qui est faite, c'est ça qui est bien. Même si les rails en commun, ça va pas rester longtemps, je pense, vu que niveau trafic, ça va devenir compliqué. Je vais devoir ajouter des voies. Mais ça, je verrai plus tard quand je ferai un peu de manutention, si je puis dire. Donc amenez-le jusqu'au métal ici. Métal. Qu'on va devoir ramener jusqu'ici sur l'usine. Usine qui a besoin de planches de bois qui se trouve juste à côté et qu'on peut alimenter suffisamment, hein, vu que ça va, on n'a pas de grosses demandes, donc je peux alimenter pour deux infrastructures différentes pour l'instant. Il va juste falloir que je change un peu la gare. Et voilà. C'est pas plus dur que ça. Enfin, je dis ça, mais financièrement, je vais être très serré, surtout vu le prix des trains. Donc, on croise les doigts et on se met au boulot. Et que je mouche un coup. Bon, on va mettre du 320 mètres. Le problème, c'est le terrain ici. Le terrain est dégueulasse. Il faut que je les fasse descendre. Je dois réussir à les faire aller jusque là. Le dénivelé est comment? Parce que je dois descendre à 15 mètres. Et puis, il est 52 mètres. C'est là que j'aimerais avoir une gare en pente pour le fret. Même si ça fait aucun sens. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est ceci. On dégomme ça. Ceci ici, il fait quelle longueur? Il fait même pas 200 mètres, cette scène. Il fait même pas 200. Si, il fait 200, on va un peu le rallonger. 220, on va le mettre à 240, ouais, 260 mètres, ça me semble. Et on va mettre du rail électrifié, bien sûr. Voilà, bien, ça c'est bon. Il faut que j'utilise
ça ici. On va d'abord s'occuper d'ici. On va faire la gare pour ici. Parce que ces voici, on va peut-être, on va même très certainement devoir les changer. Donc. On va simplement faire ça comme ça. Voilà. Parce que ici. Ouais. Allez, Eris, phosphore, utilise son cerveau. Utilise son cerveau super puissant. Il me faut 3 voies. Parce qu'il y a le dépôt, etc. On va être un bâtiment de taille moyenne. Ça devrait aller. Voilà. Oups. On va mettre ça comme ça. C'est plutôt pas mal. Le tout maintenant, ça va être de relier. Il va falloir relier. Je veux pas que ce soit trop long en termes. Enfin, j'ai une vitesse de combien sur ce point-là? 70, ça je vais le garder. Cette portion-là à 70, ça me va. Voie parallèle, oui. On va. Ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Voilà. On va relier ça là. Ça, on est bon. Il nous faut du plat ici aussi. On met ça comme ça. Je ferai un peu de décoration plus tard, c'est pas... Hop. Ça, j'en ai pas besoin. Ici, ça va être pour les machines qui partent. Donc ça ira. Et on peut faire des liaisons... Machines qui partent, je pourrais le faire partir pour aller relier par là. Ça va. Donc les deux ici, c'est important. Ça, on est d'accord. Maintenant. On a ceci ici. Ça, on a ceci ici qui est ok. On va mettre les signaux avant d'oublier. Sens unique, oui. C'était ici qu'il en fallait. Donc du coup, il en fallait, on va dire, ici. Normalement, on est bon. Ça, on est ok. Donc ici, on a la... on a pour amener les planches. Mais il va me falloir pour... choper les... plaques d'acier. L'acier, on va le faire venir de là-bas. Et il arrivera à plus grande vitesse. Et on va faire du 80. Donc on va le mettre ici à nouveau. Voilà. Comme ça, on a déjà une portion. Il faut que je vienne jusqu'ici et il faut que ça se lie en fait. Il faut que ça se lie. Est-ce que je peux réussir à le lier?
Ici, il me faut du 70. Donc ici, on a du 70. Et donc on va considérer qu'on commence à diminuer la vitesse à partir d'ici, ça sera très bien. On peut le faire passer au-dessus. Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que je fais un tunnel? Parce que sinon ça fait un... en fait ça ferait un peu beaucoup, je trouve. Ça comme ça, et on va voir si on peut le relier ici sans que ce soit une horreur. Si je mets ça, alors ça, ça passe. Il y a même une rampe qui est beaucoup plus douce, donc je crois que là on devrait. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire une rampe plus douce aussi. Yes, voilà, comme ça c'est très bien. Comme ça c'est très bien. Mercredi. Ah, j'ai déjà perdu de la thune, mais à Mac, quoi. Alors. Voilà. Pas de parallèle. On le met comme ça. Et il me refallait donc des signaux. Il m'en faut un ici, on va dire. Et pour l'autre, c'était bon. Donc en fait, on va mettre un ici et un ici au cas où. Donc là, on est bon. On doit juste relier ces deux coins-là. Alors. On va faire un tunnel. Il passera sous la flotte. On va mettre un tunnel comme ça, peut-être. Ouais, comme ça. Très bien, ça. Très bien, ce tunnel-là. Ah ouais, d'accord. C'est... Je comprends. C'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Voilà. Admettons qu'on le fait aller comme ça jusqu'ici. Ici, on droit. Et ici, on remonte. C'est trop incliné. Logique. On va essayer de le faire remonter un peu plus sec, comme ceci. Et puis on le fait en plus doux par ici. Je vais devoir tricher avec la thune, je pense, hein, parce que ça va devenir compliqué. Voilà, comme ça. Ça, il y en a un qui est là comme ça. Je suis pas d'accord. Ok. Là, je vais tricher un peu avec la terraformation. Voilà, merci, au revoir.
Merci. Ah, à un moment donné, il faut arrêter de déconner. J'ai bien mis la bonne vitesse. Non, 70. Enfin si, 70 jusque là, ça va. Donc, on va refaire la voie parallèle. On a un tunnel sous la Manche. Version suisse. Voilà, et donc ici... on peut... le faire repartir à 80, je pense. On va prendre les rails à 80. En parallèle, oui. Oui, la descente est douce. C'est bon. Ça, c'est ok. On va peut-être faire en deux fois, en fait, cette usine. Je ne suis pas sûr, mais ça risque de poser problème, sinon. Bien, donc ici, on va continuer avec cette voie-ci. Je dois faire tout le trajet jusque-là et il faudra que je lie par ici. Là. Ce qui est fou, c'est que les dénivelés sont vraiment... c'est le bordel, quoi. En même temps, je suis un petit peu trop haut. Donc pourquoi ne pas un peu descendre? Voilà. La descente là est trop longue. Donc on prend ça et on va le mettre comme ceci. Oui, ça, ça m'a l'air bon. Bon, on a toujours un petit peu. Un petit peu d'altitude, hein, mais ça passe, ça passe. Ah, ici par contre, ça passe. Donc là, il va me falloir un pont costaud. On va mettre du fer. Est-ce que je me tente à faire un pont comme ça? Non, comme ça, bof. Ça pas trop non plus. Est-ce qu'il y a comme autre pont? On a ça si on veut. On a celui-là, mais celui-là, c'est... je suis pas fan non plus. Bon, il y a le pont standard. Il y a celui-là. Pour le coup, je pense qu'un comme ça, ce serait sympa. Non. Voilà, c'est sur un comme ceci. Un détail près. Voilà. On va quand même... voilà, comme ça on est bon. Maintenant il faut réussir à lier par ici. Et ça, ça va devenir problématique. Donc là je vais faire des sauts de mouton de nouveau. C'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Enfin, plus facile, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Comme ça pour avoir un petit pont, on peut le mettre en pierre ou pas? Non, si on met, on peut le mettre en métal comme ça.
en métal comme ça, il est un peu plus fin. Ouais, comme ça, c'est ça donne l'air plus solide quand même. Le problème, c'est que c'est une pente un petit peu trop forte pour la redescente. Donc là, on va faire ça. On va faire les parallèles pour avoir plus facile. On met ça comme ça et on prend ceci. Voilà, ça c'est un peu mieux. Pendant ce temps, on va relier ceci à ceci. Parfait, bien. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est c'est modernisé. Excusez-moi. Ouh là là. Faut que je modernise sur une partie du trajet là. J'ai besoin d'électrique. Oh, j'ai plus que 38 millions. J'ai pas envie de faire un prêt. Enfin un emprunt. C'est un peu sale. Voilà, donc on arrête de rouler du 60, on roule à du 80. Les vapeurs vont bientôt disparaître tout doucement, hein, je fais des remplacements. La gare terminus quand même pour le métal ici, pour le pour l'acier. On va faire un quête 320 direct. Hein, on est d'accord. On va le poser, ça va être compliqué je pense. Oh là 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 là. Je mets ça comme ça. Normalement, c'est pas assez loin. Ça baigne. C'est bon. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est bon. Ah zut! Enfin, quoique. Non? Non, non, c'est bon. Qu'est-ce que je fous, hein? Je suis débile. Bien sûr que si, j'ai besoin de trois voix. J'ai besoin de trois voix, moi, qu'est-ce que je fous? Voilà, donc ça on est bon. On va prendre des rails, on va les mettre à 70 pour l'arrivée. Un petit peu plus lent. C'est pas dérangeant outre mesure. 70 et on va devoir les faire arriver là-dessus. Ce sera après. On va reprendre des rails à 80. Et on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Oh, attendez. Si on fait un tunnel... Non. On va essayer de... Oh là là, ça va être compliqué tout ça. Compliqué, hop. Faut que je garde en tête en plus qu'il y aura des trains de passagers qui vont passer par. Oh là 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 là. En quoi je me suis fourré. J'ai déjà plus que 36 millions. Donc malheureusement, je ne sais pas si je pourrais faire la ligne complète pour la pro. Le charbon, je vais la boucler. Ça, charbon, il y a moyen, je pense.
car bon, il y a moyen sans trop de problèmes. Le reste, c'est peut-être un petit peu... peut-être un petit peu présomptueux de ma part d'imaginer que je vais réussir mon coup. Voilà, on va l'allonger jusque là, et ici on passe de nouveau à du 70, parce que on va relier là-haut. Mais pour ça... C'est la chanson. Saut de mouton. Et dis donc Eric, t'aimes beaucoup faire les sauts de mouton maintenant? Ouais, j'aime bien. C'est marrant. Ok, ça peut pas, c'est pas assez haut. Voilà, si on le met ici, normalement, c'est bon. Mais c'est une... Ah, ça me saoule quand ça fait ça. Voilà, comme ça on est bon. 70 s'il vous plaît. Qui est beaucoup trop bas. Comme celui-ci le sera, donc celui-ci me semble le plus approprié. Ça passe tout juste. Il va falloir des pylônes, enfin des piliers, pardon. Et ici, on le relie comme ceci. Voilà, ça, c'est good. Circuit, Miner. Bien, et maintenant, nous allons relier tout ça. Ici. Alors, un tunnel, j'aurais préféré éviter parce que ça amène des emmerdes de faire des tunnels. Je peux faire le transport de charbon, du moins sur une portion. On doit le boucler à tout prix. On doit au moins le charbon. Le charbon au moins. Comme ça. Alors. La gare ici, en fait, je devrais la faire autrement. Qui arrive et qui passe dans la gare. C'est ça qui me pose un peu problème. Une gare qui a une longueur de 240 mètres, ça va, c'est pas le pire. Ouais non, c'est bon. Par contre ici, il va falloir que j'aille chercher qui se trouve là derrière. En altitude. Donc, on a le charbon ici et le charbon là. On va prendre des gares comme ça, on va les mettre en taille maximale. Et on va mettre avec seulement une voie, il n'y a pas besoin de plus. Les 320 mètres, on peut les rallonger. Donc,
Voilà, on va essayer de relier d'abord celle-ci, celle qui a plus en altitude. J'avais demandé 100 double voies. Ce qui veut dire qu'en fait ici, je vais devoir faire quelque chose pour arranger le coup. Là c'est en descente donc ça vaut pas, ça sert à rien, on va devoir laisser comme ça. On doit faire des économies de bout de chandelle, mais on doit faire des économies quand même. Voilà, si je le fais, ça peut le faire comme ça. Maintenant ce que j'aimerais bien en fait c'est... C'est assez incroyable, mais ça passe. Si je le fais aller à 61, et je le relis là, j'y crois pas, ça passe. Et du coup, celui-ci ici, par exemple. Voilà, là on va lui mettre... ça, oui, on va lui mettre un talus, ça sera très bien. Et comme ça ici, mais ici il me faut des voies supplémentaires, voilà, c'est surtout ça. Ici il me faut des voies supplémentaires, donc on va retravailler légèrement cette gare-ci, on va faire la sauvegarde manuelle avant de faire une connerie ou d'avoir un bug. A mon avis, on ne fera que le charbon aujourd'hui. Ce qui veut dire que vous vous doutez de ce qui va arriver par la suite. Il faut deux voies centrales. On soit bien d'accord. Il faut deux voies centrales. Je pense que rallonger vers l'arrière comme ça, ce sera bien. Le quai, on va le mettre là. Financièrement, en plus, ça va commencer à devenir un petit peu chaud. On va essayer de gérer ça. Alors. Ah, je pense que là ça va, c'est assez long, pas déconner. Bien, c'est une vitesse combien déjà là? Du 70, on va reprendre du 70. Hop, je vais y arriver. On va prendre du 70, donc là on a celle-ci. Là on va devoir, réussir à chipoter avec le truc. On va garder du 70, on va mettre en... On va ici au centre, en parallèle, merci. Voilà. Donc ça... On a une voie droite comme ceci. C'est pas un problème. Voilà, et on a celle-ci qui est la principale. On a celle-ci ici. Attendez, on va voir si je réussis à faire le truc.
Donc on a livraison d'un côté, ce qui veut dire que ici il faut que je puisse voilà, faire ça comme ça. Non, ça marchera pas. Réfléchir, fais le calmement. Sans t'énerver. Il n'y a pas de raison de s'énerver. Donc celui-ci il est bon. Celui-ci il est bon. Ce qui me pose problème, c'est celui-ci. Donc celui-ci, il est là. Attendez, parce que je cogite vraiment là, parce que donc les planches viennent d'ici. Mais il faut que les planches puissent, voilà, passer. Je dois pouvoir passer comme ceci. Je crois que j'ai trop. J'ai compris. Eric, c'est complètement un con. Je sais. Voilà. Ce qui fait que j'ai ça. Ça. Donc, gestion de la ligne, des planches, c'est Genève Nord. C'est quai numéro 2. Voilà. Donc, ça, ça se goupille. Ça aussi. Il n'y a pas de signaux à retirer. Ça, c'est bien. Ici, s'il faut que je fasse. Des trajets par là, ça c'est bon. Là, il passe sur la gauche. Et là, il peut également passer sur la gauche. Tout comme il peut passer sur la droite, mais il ne peut pas passer sur la droite s'il est de là. Donc, voilà. C'est ça qui manque. Là, normalement, c'est bon. Je dis bien normalement, hein, parce que je suis pas sûr. Là, normalement, c'est OK. Alors, pourquoi ces constructions impossibles ? Tu vas pas me casser les arpions. On se met comme ça. On met celui-là comme ceci. Et on peut mettre... aiguillage supplémentaire, normalement on est bon. On a les deux comme ceci. Et c'est OK. Le problème c'est que c'est 300 mètres quasiment de longueur. Donc par rapport à ça, on va dire que je peux faire un train de 280 mètres. On va mettre les signaux. C'est important les signaux. Ah, ici il en manque. Ici il y a un manque. Ici il y a un manque. Voilà, on le met comme ceci. Et celui-ci, je pense que je peux le mettre un petit peu plus loin aussi. Voilà, comme ça je gagne un petit peu de longueur. Signaux, on va le mettre juste ici. On va le mettre juste... Ça par contre, je ne sais plus, ou je ne sais pas, je suis pas sûr d'avoir déjà demandé, est-ce que on a priorité au train de marchandises, train de fret qui arrive ou qui partent ? Je ne sais vraiment pas. Enfin, dans le doute, je vais mettre ça, parce que... Pourquoi pas ? 1 km de portée, c'est bon.
Un kilomètre de portée, puis j'ai l'impression de parler d'une arme. Un kilomètre de portée de missile. On est ok, capitaine. Voilà, donc on va faire tout ça. On va mettre en place, à mon avis... Ah. Bah. Pur. Pur dans le tronçon. Celui-là, c'est juste à l'oreille du sous-bois. Voilà, on le remet. Là, on est bon, on est bon. On est bon. Je le vois qui sert à rien ici. Là, on est ok. On a les signaux qui se mettent ensuite. Par là, ça c'est bien. Tac, 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 tac. Et à partir d'ici, c'est le Dawa. Donc, on va s'y coller. Et on va mettre du rail à 70 pour. Comme ceci. Mais voilà, ça je comprends pas. Regardez, je lui demande de faire un truc tout con et il me fait autre chose. Ça me fume. Mais c'est codé avec le. Oh. Je ne fais rien de particulier. On est d'accord. Regardez. Regardez ce que ça veut faire. Ça me fuit. Et le connage de ce jeu, il me rend malade. Je vais péter Undurite. Explication à ça? Et en effet, c'est parce que t'es dans un virage. Ta gueule. Ta gueule! Bon. Ok, mais je joue plus courant. Incroyable, c'est pas gagné. Voilà. Voilà, bien évidemment, là j'ai réglé le souci. Alors, les signaux toujours. Ici à l'entrée. Et on va les mettre à la même distance, hein, bien sûr. Voilà, comme ça. Hat. Ouh. Ah, excuse-moi. Si, je me demande si je devrais pas essayer, ça je verrai plus tard, mais par contre je demande vraiment l'avis de personnes qui s'y connaissent un minimum. Est-ce que ici, plutôt que de faire deux sauts de mouton l'un derrière l'autre, je ne devrais pas faire un seul, mais vous voyez, style échangeur d'autoroute, ou est-ce que c'est complètement con? Ou est-ce qu'en fait, je sais pas, voilà, c'est une question, une vraie question, que je pose comme ça au passage. Ça fait de la culture générale, c'est toujours bon à prendre. N'oubliez pas les enfants, la culture générale c'est important. Donc là on est ok. Bien!
On peut mettre ça en place. Nice. Comme Bryce. C'était pourri. Je sors. Bon, le truc, c'est que là, donc, on va mettre les lignes en place à charbon 1 et 2. Le faire, je suis pas sûr. Je vais regarder le timer et puis je verrai si je vais le faire. Parce qu'au niveau financier, ça va devenir compliqué. Alors, si ça ne te dérange pas, je préférerais que tu livres sur la voie numéro 1. Ça, c'est charbon 1. On va mettre charbon 2. Mettre en route déjà des locaux. Le truc, c'est que ça va me coûter la peau des fesses. C'est pour ça que je pense que malheureusement les finances vont me dire ils vont pas me dire merci, ils vont faire la gueule. Et il faut que ces trains, bah, ça va, heureusement les échangeurs là normalement ça devrait aller. Donc c'est parti, mais il me faut au moins une ligne électrique. Mais elles sont toutes électrifiées, c'est vrai. Donc, ah bon sang. Voilà, là c'est mieux. Là c'est électrifié, c'est propre. Et je vais pouvoir changer des trains de pétrole aussi. Bon! Alors. On va le dire tout net, c'est les charbons. Et pour moi, un train de charbon, ça doit être colossal. Ça doit être un monstre. Et vu la distance et vu le truc que c'est. On va prendre une... Alors, il n'y avait que 3 locaux dispo. Enfin, que 3 existantes. Donc, je pense que je vais en mettre une de chaque côté. Un modèle différent de chaque côté. Quand l'autre sortira, sera un peu différent. Donc, on va prendre celle-ci. Wagon tombereau. Bon, capacité 8, mais quoique je pourrais peut-être prendre plutôt ceux-là. En fait, le truc, c'est que ça, c'est les Américains, ça, c'est les Asiatiques, et ça, c'est Européen. Mais en même temps, je trouve que la dégaine des deux se ressemble assez, donc les Asiatiques, à la limite, je pense pas que ce soit un problème de les utiliser. Et je les préfère parce qu'ils ont un rebord plus élevé, et ils transportent plus aussi. Donc, on va faire ça. Mais on va devoir on n'a pas le choix. Voilà, déjà là c'est trop cher. On va faire un de 154 mètres pour débuter, donc on va devoir une 6. Je me mets dans le rouge pour cette connerie. Mais je veux cette loco. Je veux cette loco sur le trajet. Je veux les 3 locos parce qu'elles sont magnifiques. Et on va les mettre sur la ligne. On va mettre sur la ligne de charbon 1. Et je check le timer. J'ai pris moins de temps que ce que je pensais. Et donc là, on va faire tourner. Parce qu'il me faut de la thune. Je suis complètement à la... Je suis à la rue. Je suis totalement à la rue. Bon, on va aller voir le monstre. C'est moi ou le modèle a des soucis de texture? Alors,
C'est peut-être moi qui n'ai jamais remarqué ça auparavant. C'est peut-être les textures qui ne chargent pas, ça peut arriver. Ou c'est peut-être parce que, comme le jeu a eu des mages, il y a certains modèles qui ont des textures un peu foireuses. Je ne suis pas sûr. Ouais, ou alors le modèle a toujours été un petit peu comme ça. Ah, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait les essuie-glaces qui tournaient. Bon, je suis à déjà 1,5 million, 1,2 million de déficit. Il faut absolument rentabiliser. Ça va remonter. J'ai confiance en mes industries. Il est important de croire en notre pays. Faites confiance à nos industries. Elles vont se relever. Relever la barre du pays. Relever l'économie. Et nous allons de nouveau devenir une grande nation unie, soudée. Comment ça, je fais de la politique? Non. Je sais pas pourquoi dans la tête, il y avait la tête de, il y avait le visage de Macron. Quand même. Je jette pas la pierre, je balance rien sur Macron. C'est juste que c'est votre président du moment chez les Français. Donc je suis désolé, c'est lui qui prend. Et le discours est tellement, sa discours est tellement vide et à l'arrache que je trouve que ça correspond un peu. De la Syrie, mais quoi. Bon, on est d'accord que je garderai pas ces locaux-là ad vitam aeternam. On est d'accord, mais j'ai envie de les faire. J'adore. Alors, en fait, c'est con, hein, mais ces locomotives-là, j'adore. J'ai déjà dit hein, plusieurs fois, mais les locaux articulés, je les aime bien. Je sais pas expliquer pourquoi, je trouve ça. J'aime bien les locaux articulés. Il y a un petit côté fascinant, je pense, ça doit être parce que c'est un énorme bloc, mais. C'est amovible, c'est plus impressionnant parce qu'ils sont souvent plus grosses quand même en général. Je sais pas. Bon, je peux transporter 180 de charbon, c'est déjà pas mal. Il y a 10 millions. On va pouvoir le modifier et rajouter des wagons. Voilà. 250 mètres, enfin 260 plutôt. Voilà, ici, on va voir. Je veux voir avec le saut de ponton et compagnie ce que ça donne. Je terraformerai un petit peu. Un peu le terrain sur le loup. Mais en gros, là, ce qu'il faut que je vois, c'est. J'aime bien quand les pentes sont assez douces. Là, ça a l'air très doux. Là, ça m'a l'air correct. Et donc, il redescend ici. La redescente est peut-être un petit peu. Ouais, non, ça passe. Ça passe. Maintenant le tout c'est... Oh là là, moins 4 millions. Oh, et on arrive en fin d'année. Oh non, 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 ça va pas le faire. Voilà. Personne n'est arrivé. J'ai détourné des fonds de l'argent public. Qu'il y avait une déformation avec le terrain. Voilà, personne n'a rien vu, c'est... Il a triché. Non, non. Voyons, qu'est-ce que je devais faire? Laisser cet argent pourri? C'est quand même inadmissible tout ça. Voilà, et on a des nouveaux véhicules, c'est parfait. Nouvelle voiture, nouveau loco. Mais ça va être compliqué. Ou alors vous acceptez le fait que je fasse un détournement de fonds inopiné et que je me fasse cette étude pour en mettre d'autres comme ça sur le terrain. Voilà, je sais pas. C'est...
Je propose, hein, moi. Vous savez, moi. Je dis ça comme ça. Oh, mais c'est 23 millions la loco, s'il vous plaît. C'est 23 millions la loco à elle seule. Il faudrait que je monte un peu en thune. Comme ça, je suis sûr de pouvoir la mettre. On va la mettre sur le charbon de. C'est presque la même. Mais c'est pas tout à fait la même. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il est où l'autre? Où qu'elle est? Elle est là-dessous. 70, hein, donc c'est un peu plus long. Bon, voilà, ici, forcément, il y a un moment où ça se remet un peu à plat. Je peux le laisser, je pense. Voilà. Et à partir du moment où celle-là, de toute façon, on va ramener le charbon là au bout, ça va douiller. Ça va douiller. C'est là, pour l'instant, il n'y a rien qui m'inquiète, ça c'est bien. Il faudra que je fasse un virage plus souple peut-être. Ou alors je change juste la vitesse du train. C'est pas... Alors, par contre, combien de tonnes il va faire? Juste pour rire. 1169 tonnes. Ah ouais! Ça déconne zéro là. 324 de charbon. Je pense qu'il va falloir que je fasse des lignes de subdivision, je sais pas, je verrai. Enfin, pas de subdivision, mais vous voyez ce que je veux dire par là, il va falloir que je fasse des voies pour les trains qui repartent, pour qu'ils ne passent pas par là. Ceux qui passent par là sont ceux qui vont livrer, ceux qui vont chercher, je les ferai passer par là alors. Donc, je devrais faire juste... léger changement à ça. Ouais, 80, il les tracte, hein, sans problème. Ça tire bien. Bon, on se prend tous les arbres dans la gueule. Voilà, ici c'est moche. Ok, là c'est moche. Et j'ai encore plus de trucs dispo maintenant, notamment les BC. Ouais, bon. Je vais légèrement tricher, je pense quand même. Je vais légèrement tricher. Je vous prends en témoin. J'aurais voulu éviter, mais sinon, en fait, ça va être complètement con. Ça va aller beaucoup trop vite. Donc, quand je dis légèrement tricher, c'est-à-dire que je mets en pause juste le temps de réussir à avoir les deux trains qui sont opérationnels,
et à remonter, on va dire, à 50 millions. C'est tout. Pour moi, 50 millions, en fait, c'est le moment où je peux commencer à bosser sur une île. Là, il n'y a que du charbon qui sera mis. C'est un peu coton. Il est où, le deuxième? J'ai pas vu qu'on le croisait. Il est où l'autre en fait? Attendez, charbon 2. Ah, il est ici. Attends. Du coup, lui, on va quand même lui donner un petit peu de matos en plus. Peu plus long, c'est pas ouf, mais il est un petit peu plus long. Ce que je vais voir, c'est combien ça va me rapporter, parce que du coup, je vais peut-être pas avoir besoin de laisser en pause très longtemps. Bon, c'est aussi bien sûr le signe de l'électrification, donc c'est-à-dire que toutes les locovapeurs vont disparaître à terme. Mais pour ça, il va me falloir de la thune. Thune que je suis en train de préparer. Ouais, donc on a deux pour le charbon. Et il va y en avoir. Il y a le dernier modèle. Je pense que lui, on l'utilisera pour du fer. Mais le fer, ce sera alors la prochaine fois. Ce sera la prochaine fois que je ferai. Je vais laisser tourner en trichant. J'ai des petits relots, des petits rototo qui veulent venir, des petits relots. Enfin bref, je disais, c'est... Oui, je triche un peu, mais à un moment donné, en fait, là, si je veux utiliser certains trains, parce que j'ai envie de les voir rouler, faut que je fasse une petite pause pour que les finances reviennent. Sinon, ça va. La ligne en elle-même, ça a l'air d'être ok. La ligne, ça a l'air d'être ok. Les voies, elles sont plutôt bonnes. Moi, je fasse donc des voies de séparation ce qui permettront de fluidifier et d'avoir un meilleur rendu aussi. Je sais que je pourrais la faire pousser jusqu'à 100 km/h, hein, c'est pas un souci. Mais je trouve que 80, c'est nettement plus logique. Parce que c'est pas parce qu'une loco peut faire du 100 qu'elle va faire du 100, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'elle peut aller à telle vitesse qu'elle va aller à telle vitesse. Ça se saurait. Je suis à 2 millions et c'est là qu'on va voir parce qu'il est parti à vide. Ça coûte cher, hein, l'entretien, cette merde. Vend moins du rêve. Pardon. Bon, bah... T'es quelle longueur, toi, déjà? Enfin, tu transportes 324. Je veux que ce soit les plus grosses. Donc tu fais 250 mètres, on va te mettre à 300.
C'est-à-dire que tu transportes 396. Juste pour rigoler, à vide, ça fait combien de tonnes? Voilà, déjà ça fait un train qui est long, très long, mais c'est ça que j'aime. À vide, 900 tonnes. Et vous êtes sérieux, le train de 900 tonnes à vide, c'est énorme. Bon, bah du coup, en fait, c'est bien. Je vais laisser tourner, je vais juste laisser faire un aller-retour supplémentaire. On va être bourré de fric, donc on va considérer que du coup, ouais, t'as triché, ouais, mais je suis rentré dans mes frais. Et je, en fait, je vais faire une chose avant d'arrêter la vidéo. On va faire une seule chose. On va poser déjà les gares pour les suivants. Comme ça, ce sera fait. Comme ça, il n'y a pas trop de prise de tête à ce niveau. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Pas besoin d'un truc spécialement incroyable. J'ai besoin d'une gare. On va la mettre en terminus. On va devoir mettre pas du rail mais de la route. On va mettre en accéléré pour que ça aille plus vite pour les autres. Voilà, regardez. On met juste ça comme ça. Celle du fer qui se trouve là et on en a une autre qui se trouve ici. Et celle-ci à la limite, je pense qu'on peut déjà la relier. Comme ça sera fait. Vous pensez quoi? Pas grand-chose? Oh non. Donc on va juste la relier comme ça, le rail est bon. 70 électrique. Oui. Pas de voie ferrée parallèle. Ce qui veut dire que ça ne pourra pas se... Ah, ouais, ça risque de faire des bouchons. Celle-ci, ça va être un problème. On va changer ça, on va mettre la gare autrement. Décidément. Pas malade, Eric, ça ne vous inquiétez pas. J'ai peut-être pris un peu froid en allant en plus à lire. Alors, terrain. Sur la planière, j'arrangerai ça plus proprement plus tard. Alors oui, c'est le Eric du montage qui essaye de rafistoler un peu ce qu'il a foiré. Parce que voilà, j'avais dû couper le micro et j'ai complètement oublié de le remettre en marche. Donc je suis en mode muet jusqu'à, on va dire, pendant 20 grosses minutes, grosso modo. Mais Donc voilà, je suis désolé, je me suis rendu compte un peu trop tard, donc vous allez avoir droit à la construction en mode muet. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et pour ceux qui seraient en train de faire, mais t'as dit que t'allais chercher le fer et là c'est du céréal. Je sais, je l'ai vu après justement. J'aurais pas dû faire une vidéo aussi longue, je commençais à être un peu en mode je vais par où là. Je commençais un peu à fatiguer, on va dire, sur la concentration.
Mais voilà, allez. C'est tout ce que j'avais à dire. Et encore merci de regarder. Voilà, je vous laisse finir votre visionnage. A plus.
tout ce temps j'avais le micro coupé, bordel. C'est le moment, il faut vraiment que j'arrête en fait. Là c'est la preuve que ça va pas. C'est la preuve que ça va pas, que je suis en train de fatiguer sur la vidéo. Bon, bref, donc j'ai résolu le souci ici. Je pense qu'il y en a qui l'ont vu. J'ai remis les trains, tout ça. Normalement, tout est ok. Depuis quand le micro est coupé? Je sais pas. Merde! Je le verrai au montage. Je verrai comment j'arrange ça. J'ai remis en vitesse x1. J'ai un peu triché. Oui, j'avoue. Mais là, on touche plus. Je lève les mains. Enfin, bref. Donc, on a une grosse entreprise. On a une grosse industrie qui tourne. Maintenant, la prochaine étape, elle est simple. C'est il faut que je relie ce fer-là. Pour aller de l'autre côté. Off-cam, je vais juste faire une chose, c'est arranger les scies proprement pour avoir une voie de subdivision pour les trains qui n'ont pas besoin d'aller jusque-là. Ben, voilà. Et donc la prochaine étape, ce sera juste le fret et les passagers. Il faut que je commence les passagers, donc ça va être de faire une partie du tronçon au moins passager et fret pour avoir une séparation. On va dire jusque Montreux, par exemple. On va essayer de faire ça. Voilà. Écoutez, voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte. J'espère que l'épisode vous aura plu, malgré quelques couacs techniques de ma part. Je suis désolé. Je vous dis à la prochaine. Ciao.